Qui n'a pas déambulé dans ces allées? Celle de la foire exposition de Périgueux, un rendez-vous annuel qui pourrait bien disparaître. Le site construit en 1983 et mis en vente par son propriétaire, la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne. Nous avons estimé qu'à un moment donné, il n'était peut-être plus forcément opportun pour la CCI de conserver des positions foncières sur divers points du territoire de la Dordogne et plutôt d'en libérer certains pour mieux investir sur d'autres. C'est le choix qui a été fait de se séparer du parc des expositions de Marsac-sur-l'Isle. Une opération financière qui permettra à la CCI d'investir davantage pour le développement de l'aéroport de Bassillac. Mais quel avenir pour ces 8 hectares situés aux portes de Périgueux? Premier acquéreur potentiel à s'être manifesté, l'agglomération, le Grand Périgueux à la recherche d'espaces fonciers. Il y a une multitude de choses qui pourraient y être bâties. La proximité du golfe peut avoir un côté intéressant de l'hôtellerie, par exemple. Mais ce n'est qu'une partie. Il faut que tout soit étudié dans son ensemble, en harmonie et sans concurrence avec ce qu'il y a autour. Le Grand Périgueux se donne jusqu'à l'automne pour se positionner ou non sur ce projet. Une histoire de gros sous. La CCI pourrait récupérer plusieurs millions d'euros avec cette transaction. Deux investisseurs privés sont d'ores et déjà intéressés. D'autres pourraient suivre. Tous développent des services d'hôtellerie ou de tertiaire.